Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Martha is Dead. Ah oui, c'est vrai, j'avais eu des pertes de sang. Oh, mais c'est à l'envers là. Alors, si vous entendez en fond dans mon micro des gros bruits de travaux, c'est normal, il y a des travaux près de chez moi. Pas de panique. Ouais, alors, je sais pas pourquoi je suis à l'envers, mais bon. Ça sent le début de la folie. Non, moi j'ai toujours m'habillé comme Julia. Ou alors je m'habille pas. Je peux sortir tout de suite sans m'habiller en fait. Je vais m'habiller comme hier. Cosa penso di fare? Sporcherai i vestiti di sangue. Ah, faut que je prenne une douche. J'ai pris un sac donc bon. Un bidet. Oui. Merci. Così va meglio. Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Mm-hmm. Oui. Je ne suis pas médecin. Ok, je suis habillé. Potrei alzare la cornetta del telefono e ascoltare la conversazione. Ah bah oui, c'est vrai que si je réponds... Ah mais genre j'écoute. Come va oggi, Irene? Sono preoccupata, padre. Sono molto preoccupata. Abbiamo trovato altre tracce dei partigiani nel bosco, proprio accanto a questa casa. Quella... Ah oui, la peau. Ho anche il sospetto che possa essere coinvolto nella morte di... No, Irene, non dica così, la prego, non è possibile. Ma perché la peau? Ragazzo, è... Nulla è impossibile, padre, in questi tempi oscuri, nulla. Quel ragazzo neanche è venuto a salutare Giulia. Non si amavano così tanto. Sarà terribilmente spaventato, e poi Giulia diceva sempre... Sì, certo. Diceva che erano solo amici, come no? Lo sa anche lei, vero? Gli amici non dovrebbero fare certe cose, padre, o sbaglio. Ah, du coup, est-ce que la peau c'est tutti, ou pas? È vero. Lei, mio marito, perfino la tata, che in fondo è una brava donna. La tata. Io credo che sia proprio la tata ad aver fatto del male a Giulia con la sua... Alors, le bruit est dans le jeu, hein. C'est pas des travaux chez moi. Sono cose maledette quelle. Spero che le abbiate fatte scomparire. Certo, le tengo al sicuro in camera mia. Mi deve perdonare, padre. Devo lasciarla di corsa. Sono venuti a prendermi. Buona giornata. Anche a lei, Irene. L'apo coinvolto nella morte di Martha. Mia madre sta perdendo di nuovo la testa. Come si può anche solo immaginare una stupidaggine simile? Après, quelque part... E Don Attilio. È un grande amico, è vero. Ma che manie. Le carte sono solo un gioco. E soprattutto, sono mie. Perché mai me le hanno prese? Déjà, quelque part... A seguito delle drammatiche notizie che giungono da... La mère cherche à savoir qui m'a tué, c'est déjà... C'est quand même une preuve qu'elle s'en foutait pas à 100% de moi non plus, non? Je sais pas, je... Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. A partire da questo momento è proibito a chiunque lasciare le case e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre, anche quelle delle cantine, come pure le entrate delle case e gli androni, devono rimanere... Ah, faut suivre deux conversations en même temps, hein. Il comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185. Le pattuglie delle forze armate germaniche. On peut pas éteindre ce truc. Una pellicola a 25 ISO. Quando c'è il sole a picco è perfetta. Anche quelle delle cantine, come pure le entrate delle case e gli androni, devono rimanere chiuse. Je vais espionner leur chambre là. La boîte à bijoux de mère. Le indossa tutti i giorni, anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Oui. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Sempre più armi in giro. Sono tutti spaventati dopo quanto accaduto. Logico. Il y a trop de trucs à lire. Mais ça fait tellement partie de l'ambiance du jeu que... La Romola. 15 luglio 1940. Je vous écris pour vous faire savoir que tout va bien ici à la villa. Merci de faire preuve de tant d'attention à mon égard. Je m'excuse pour la simplicité du logement dans lequel vous êtes contraint de vivre. J'ai également fermé à clé la chambre où le petit séjournait, comme demandé. Je vous ai laissé la clé, celle qui est attachée au porte-clés rose
Prenez soin de vous, la nourrice. Perché mai la mamma ha fatto chiudere quella porta? Era la mia stanza. Qualcosa da nascondere? Ça se trouve, c'est elle qui l'a tué. Enfin, qui m'a tué. Cara mamma, è difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Ah! Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre più confuso. Cerco una spiegazione, ma trovo nuove domande. Je n'osais pas le dire tout à l'heure, mais... Ça peut expliquer quelques trucs. Les cartes. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. Lei prevedeva il mio futuro e io facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente, queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? Je vais faire quoi avec ces cartes? Ancora Perbitin. A me sembra che non faccia altro che agitarla. J'ai tout exploré, monsieur. Y'a quoi dans mon sac? Ah oui, mon journal. Ah mais non, qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est mon journal intime! 18 luglio. Tutto è cambiato. Mi sento una persona diversa. Vous voyez pas le début? Con Marta se n'est andata la parte. Tout a changé, j'ai l'impression d'être quelqu'un de différent. Le meilleur de moi-même a disparu avec Marta, mon enthousiasme, mon désir de vivre, mon envie de rire. Je me retrouve seul, sans plus personne, confuse et sans aucun désir ni attente. Je manipulais les appareils photo près du lac et il y avait un corps qui flottait à la surface de l'eau. Je ne me souviens plus de ce que je faisais avant. Encore une autre perte de mémoire. Ce corps sans vie était celui de ma sœur Martha. Maman a couru vers moi et m'a serré dans ses bras, me prenant pour Martha, et me croyait moi, Julia, morte. Giulia, oui, pardon. Je n'ai pas détrompé et maintenant il est trop tard. S'il découvre que j'ai trompé tout le monde, je préfère ne même pas y penser, oui. Je me sens terriblement coupable de faire semblant d'être Martha, de faire semblant d'être sourde. J'ai pris la photo pour le cadre de Martha. Je sais que cette photo arrive bien trop tard. Et placer la photo a été incroyablement douloureux. J'ai pu lui faire mes adieux à ce moment. Je me suis rendu compte qu'elle était partie et qu'elle ne reviendrait pas. Il faut que je fasse une dernière chose pour Martha. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Les partisans ne l'auraient jamais tué. C'est ridicule. La peau est mon ami et il est un des leurs et nous aimait tant. On les connaît tous, c'est tout bonnement impossible. Ah mais c'est mon jeu de cartes du coup, je peux le mélanger. Incroyable. C'est solitaire. L'étoile. Ça va me faire une prédiction. L'ermite. Genre parfois la carte elle est à l'envers. Genre ça a été mélangé pour de vrai. La tempérance. La soluzione delle cose è ancora lontana. Devo avere pazienza e saggezza. Ma la fortuna non è dalla mia parte purtroppo. Seulement une divination par jour. J'avais dit on peut recommencer 40 fois. Non mais c'est sympa, j'adore tous ces petits détails apportés au jeu. Ah mais oui, développer les pellicules du lac. Et si ça se trouve, ma mère m'a confondu avec Martha et elle voulait pas que... Oh non, elle va pas quand même pas... Elle a été engrossie par la peau, là. Je vais lui faire la peau. Bon. Du coup, j'ai l'impression que chaque jour, en fait, c'est... Il comandante superiore delle le monde réel, puis un cauchemar. Sera abattu. Toute personne hébergeant des bandits et ou les protégeant ou leur fournissant des vêtements sera abattu. Toute personne étant au courant de l'existence de groupes de rebelles ou même de rebelles isolés sans les signaler sera abattu. Bon, je sais pas si c'est très intéressant. L'engagement est une durée maximale d'un an avant le retour en Italie. Affrontement en Normandie. Contre-attaque allemande victorieuse sur la route de Perrier à 40 ans. Pont Hébert reconquis au nord de Saint-Lô. De nombreuses pertes américaines causées par l'utilisation de la bombe volante. Une attaque lancée par les soviétiques après des heures de canonnade. Ce combat sur ce front dure depuis longtemps. Et je sais toujours pas utiliser le flash de mon appareil photo, c'est vrai que j'ai raté deux photos à cause de ça. Hein. Et alors vous m'avez dit, mais William, pourquoi t'as pas pris Martin en photo? J'avais essayé de le faire, j'avais coupé en montage parce que justement j'avais pas réussi. Parce qu'il faisait trop sombre. Et le jeu ne m'a jamais donné de tuto pour cela. Voilà, c'est parfait. Clac. Fatto.
Sarebbe bello poterti avere sempre accanto con una semplice fotografia. Attention, tout le monde dans la cave. Hop là! Je suis en train de rater la cinématique de dehors. Qu'est-ce qui se passe? Âge. C'est quoi ça? Le magnétophone. Mais qu'est-ce que c'est? Una lente e un rullino a infrarossi. Possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. Ah, ok. C'est très intéressant. Je vois pas vraiment l'utilité en vrai. Filtro arancione. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine. Ah, c'est des filtres Instagram. Filtro blu. De l'époque. Ottimo per le foto di interni. Con questo filtro posso scattare da molto vicino. Filtro rosso e foto super contrastate. Des petits le filtre pour l'objectif de près. Con questo filtro tutto diventa più grande. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Oui, alors c'est censé être beaucoup plus gros que ça, non? Le magnétophone. Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi parlare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Mais j'ai rien à écouter, non? Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh, no. La mia voce sarà terribile. Ma dai. Non volevi studiare anche canto? No, no, no. Ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana. Mode streamer attivé, ma voulez pas. Bello. Non avevo mai sentito la registrazione. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione, altro che canto. È arrivato il momento di stampare quei rullini. Non posso aspettare oltre, anche se vorrei poter fermare il tempo. Oui, il y a un mode streamer parce que normalement là il y a des musiques un petit peu d'époque copyrightées. Et voilà, YouTube, voilà, j'ai pas envie qu'il me tape dessus en fait. J'ai pas envie d'avoir la police de YouTube qui arrive chez moi. Queste immagini potrebbero cambiare tutto. Non potrei tollerare di aver fatto del male a me. Mais il y a rien sur ces images. Preferirei morire. Ah mais si, c'est des images du lac. Ah mais j'ai plein de photos. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. Ça j'ai développé, ça c'est bon. Ça je l'ai pas développé. On va déjà faire ça. Et là si je rate, il se passe quoi? Ah bah t'as raté ta photo hein. Pas de chance. Ah donc ça c'est l'espèce de truc que j'avais pris là. Je sais pas trop à quoi ça sert mais c'est pas grave. Ah ouais alors attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Una fotografia è insieme presente e passato, come un corpo morto. Non so bene cosa spero di trovare. Forse è stupido pensare di poter catturare l'anima di chi è morto. Voilà. Il suo volto non può più dirmi nulla. Lo sapevo. La sua mancanza di espressione mi spaventa. Non so neppure se tenere questa foto vuota con me o buttarla via. E le fameuse foto. Mais il y a 3 millions de photos. Oh là là, attendez, attendez, là, on va pas tout développer quand même. Ah là, il y a rien, on est d'accord. Oui, c'est la même. Ah, il y a ça quoi. Sto portando Marta Riva. Sto cercando di salvarla. I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso... Anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. Peut-être je devrais-je rencontrer la dame en blanc, elle pourrait m'apprendre quelque chose. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. C'est moi qui cours. Mi sono svegliata e sto per tuffarmi. Sì, corrisponde ai miei ricordi. Tout va bien jusque-là. La vérité telle que dans notre esprit était la même que la véritable vérité. Qui stavo correndo verso il pontile, proprio come ricordavo. Très bien, mais tout va bien. Écoutez, tout va bien. Toutes les autres photos sont n'ont aucun intérêt. Se rendre au lac. Ok, c'est parti.
c'est pas... Oh, mais dites-moi que... Oh! 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 La mia bici con la ruota sgonfia, oh, come al no. solito. Una pompa risolverà il problema. C'est une blague. Est-ce que nous sommes actuellement dans une blague? Ça fait quoi si je me barre? Changer là-bas. Plus loin. De toute façon, je vais pas aller en bicyclette. Là-dedans. Questo è il centro della nostra azienda agricola. Ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il babbo. Ah, bah le casque, tiens, je peux le prendre là. Pas de souci. Il fait jour. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa. C'est bon. Ma come avranno fatto a perdere un elmetto, Dio solo lo sa. On développera ça plus tard. What? Je me suis chié dessus. Cosa succede qui? Che ci fanno i soldati? È pericoloso, lo so. Fuggi Zed. Ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. Qua? C'est pas là, faut vraiment que j'y aille? Oh! Monsieur? Monsieur, ça va? Oh mio Dio, è l'apo. Oh! Amico mio. Mais non, c'est la peau! Ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a fare. Qua? No! Imbecille! Oh merda! E adesso che facciamo? Guarda cos'ha al collo! È una di loro! Andava fatto! Oh, è la figlia di Eresh K! Idiota! La fidanzata di questo disgraziato! Siamo nella merda! Andiamo via, subito! Ma è ancora viva! Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi! C'est général, mon père, il va entendre parler de moi. Sto morendo, pensai. Je me meurs, me disais-je. Mais étrangement, je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais presque soulagé. Quand je suis revenu, je me suis retrouvé au milieu d'un autre mauvais rêve. Un rêve dont je n'ai pas compris le sens de tout de suite. Maman, raté. Martha, je te rends ce que j'ai. Il y a quelqu'un qui a dit que si on prenait les autres chemins, ça faisait un autre message. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que ça fait maman, viens, ce que j'ai, ça veut rien dire. Je te rends ton destin, destin!
Mais ils mettent des super mots. Je suis bête, hein. Ils mettent des superbes mots et non, c'est pas ça. C'est juste l'apparence. Maintenant, je vois avec mes yeux. Ah, la musique. Ça va, c'est soft cette fois. Due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo Marta. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche, impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. «Giulia deve seguirmi», dissi. Ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta. E quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare. C'era la guerra. Ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. Possiamo seguirti insieme? No, impossibile. È sicuro che anche Marta morirà? No, nulla è certo in tempo di guerra. E se ti seguisse quella sbagliata? Allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente, l'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo. Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta, che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome, il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo.
e renderò infine al fato la sua benda. Très bien. Du coup, je suis vraiment morte. Enfin, c'est fini. Game over. Oh, che dolore. Fatico a respirare. Bon, heureusement que ma mère était pas là, hein, parce que là, je parlais. Hein. Ok. L'enterrement. Je suis en bonne santé. J'ai pas été on m'a pas tiré dessus et tout. C'était qu'un rêve. Je suis perplexe. Mais bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus.